Nous sommes quoi 3 heures. Nan do bore kawandi ba huime kawandi bama wa kawandi bama muna kel famous ga mugira muna gali tebare ga salon su tebare ga salon su ga di ga megbang balaina nana sabi ra min masala man se fenetra na ga salon na de rabi me kro se fa kankan sono tebare salon su ga gbegbere sono tefa de birin na la sono me rasule birin bara luna fe ku Mutan dorbore tebara mo birin gonyi so kono emura tu mase rafema inga gakere ina gangele bele gili la hafa e ira tu manena ma munalan kuye ba mudera tu. Donc c'est dans les environs de 3h, 4h, 3h du matin qu'on a entendu des cris venant du voisinage et une femme qui criait aidez dessous. C'est ainsi mon épouse et moi et quelques voisins nous sommes venus en au premier secours. Et à l'issue de ça, j'ai envoyé des métaux, une barre de fer de 3 mètres et des picasses. On a essayé, mais il y avait un coup circuit le feu était sur le bâtiment. Donc là, la maison était bloquée de l'avant. Il n'y avait pas accès de l'autre côté. Et l'intention première était qu'on casse le mur pour pouvoir évacuer le plus grand nombre. Et le chef de famille était, lui, dans sa voiture, il était dehors, bon, dans la panique. Disons qu'il y avait plus de panique. C'est ainsi que je suis sorti avec le voisin d'à côté pour qu'on puisse appeler les sapeurs-pompiers. On a appelé un agent de sécurité pour qu'il nous joigne les sapeurs-pompiers. C'est comme ça que nous avons eu accès aux sapeurs-pompiers. Mais le feu était tel, le voisinage a fait tout ce qu'on pouvait. Et oui, on n'a pas pu mettre le feu. Et le feu ne partait que vers la mienne et par là. Donc on était obligé de trouver des mesures pour au moins délimiter. Ah bon, dans la maison, il y avait aux environs de 7. Il y a les deux petits-enfants, les 3 enfants auxquels je suis très familier, qui s'assoient souvent à ma devanture avec mes enfants, qu'on appelle grand-père et papa. Plus la plus petite, il y a une jeune fille de 11 ans. Maintenant, plus le jeune garçon, qui est le bénévole de la famille, qui fait la terminale. Et la maman à mon voisin. Donc pratiquement dit, c'est mon voisin et sa femme enceinte qui sont sortis. Donc, le corps était complètement incendié, calciné. Ah, moi je n'étais pas là, mais on m'a appelé à 4h du matin. Je suis arrivé ici à 5h. J'ai trouvé là que maintenant il y a le incendie. Mais il y avait ma mère là-dedans, et mon petit frère, et les deux filles de mon grand frère. Il y avait un autre petit fils, 5 personnes quand même. Oui, ma maman, ça commence à ma maman, Del Kanjabati, et Mori Keta, et Fode Keta, Ousmane Keta, Djené Keta. Le Mori Keta, c'est mon petit frère, c'est lui qui est le Benjamin. Oui, à 22 ans comme ça, il fait le terminal. Les autres, ils sont 9 ans, 7 ans, 11 ans. Un peu de...